ma petite voiture de collection, on va dire. C'est une manière de rouler différemment, en fait. Toutes mes voitures, en fait, mes petites vieilles voitures ont eu un nom. Donc ma première Golf, c'est Simone. Puis on a eu Germaine, il y a eu Rodolphe, et ici c'est Janine. Ma première Golf, c'était fin 2007. C'était pas une voiture normale, parce qu'une Golf 1 en 2007, c'était déjà une voiture qu'on ne voyait plus beaucoup sur les routes. Et puis la mode est arrivée où tout le monde rabaisse sa voiture au plus possible. Et je me suis dit, plutôt que de rabaisser, je vais faire le contraire, je vais rehausser ma Golf 1. C'était une Golf 1 qui était stockée dans un terrain vague, et du fait du stockage, les soubassements, les planchers, etc., tout était attaqué par la rouille. Moi, ça ne me dérangeait pas, puisque j'avais besoin que de l'aspect esthétique de la Golf. Donc j'ai coupé le plancher, toutes les parties qui étaient mauvaises, et j'ai conservé le plancher du 4x4, et puis on a emboîté l'un dans l'autre. Forcément, c'est pas plug and play, donc on a dû le poser, construire autour et fignoler un petit peu tout ça, mais c'était un projet que seul j'aurais pas pu faire. La première sortie qu'on a fait, là on était tellement heureux de rouler avec et que tout se passe bien, on avait un gros trou plein d'eau, de boue. On a foncé tête première, mais on a oublié de fermer les carreaux, là c'était le raz-de-marée à l'intérieur. Tous les sièges, l'intérieur, tout était rempli d'eau, on était percé, enfin, c'est un super souvenir. C'est vrai, on reste des grands enfants, c'est juste la taille des petites voitures qui a augmenté, quoi. C'est principalement l'amusement, la Volkswagen. Je m'appelle Guillaume, et pour moi, Volkswagen, c'est rouler différemment.